Bonjour à tous, bonsoir à tous de vous connecter pour ce deuxième webinaire consacré à la formation. Alors, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important, à mon humble avis, parce que, comme vous le savez, connaît une véritable révolution technologique, ne serait-ce que pour les examens diagnostiques, mais aussi, bien sûr, pour les examens thérapeutiques. Et ce webinaire organisé par la SFED et sponsorisé par AFILM, nous les remercions sincèrement. Alors, ce soir, vous avez vu, nous avons trois experts que je remercie très chaleureusement d'avance. Et j'ai hâte de les écouter. Puis, n'hésitez pas à poser des questions via le chat du webinaire. Et ils vont nous montrer comment on peut s'adapter en formation endoscopique avec les diagnostics dont j'ai parlé. Je vais donc passer maintenant à Jérémy Jacques, que je ne présente plus, évidemment, et qui va nous parler de quelles techniques pour lesquelles on doit se former, et puis comment, où est-ce qu'on peut en France en 2021. Je vous remercie d'avoir accepté et je te laisse maintenant la parole. Merci Gabriel, beaucoup. Merci au conseil d'administration de la SFED de m'avoir confié ce sujet qui tient particulièrement à cœur. Donc la formation continue en endoscopie digestive, à quelle technique se former et comment se former Comment définir une compétence en endoscopie digestive? Michel Robaskiewicz, quand il était président de la SFED, avait beaucoup travaillé, il nous avait demandé notre avis pour différencier un petit peu quels étaient les niveaux de compétences, comment on définissait les niveaux de compétences. Il l'avait défini en synthèse, je trouvais que c'était une très bonne introduction en trois étapes. La première étape de la compétence en endoscopie digestive, c'est la compréhension et la maîtrise des indications et de la place de l'endoscopie digestive dans le bilan et le traitement des maladies de l'appareil digestif. Donc ça, c'est la partie théorique indispensable que tout le monde doit avoir dans son background, dans sa formation universitaire ou post-universitaire, ce qui est évidemment une évolution des pratiques avec le temps. Ensuite, il y a la maîtrise de toutes les techniques d'endoscopie diagnostique et thérapeutique de niveau 1, et ça va être le cœur de mon sujet. Puis la maîtrise, et c'est aussi quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup de modes, beaucoup de gens veulent se former à des techniques un petit peu plus compliquées, un petit peu plus thérapeutiques, mais l'importance de cette phrase, c'est la maîtrise des techniques d'endoscopie interventionnelle adaptées à sa pratique clinique et son recrutement spécifique. Et c'est ça qui est le plus important. Il ne faut pas aller chercher à tout prix des gestes thérapeutiques si on travaille dans une structure dont le recrutement ne sera pas suffisant pour une pratique efficace et sécuritaire. Donc la formation en endoscopie digestive, la première partie, elle est universitaire pendant l'internat. Et là, normalement, les recommandations de la SFED, les recommandations européennes, disent que tout interne en fin de cursus doit être autonome dans l'endoscopie de niveau 1. Alors, les niveaux 1, 2, 3, ça ne parle pas beaucoup souvent aux gens. Donc, je vous ai remis ce que c'était que l'endoscopie de niveau 1. Il y a déjà pas mal de choses dans l'endoscopie de niveau 1. Évidemment, l'endoscopie haute diagnostique, l'endoscopie haute thérapeutique avec les hémostases pour les hémorragies digestives, les gestes de dilatation, la pose d'une gastrostomie. La coloscopie diagnostique et en thérapeutique, les gestes de polypectomie, de mucosectomie normalement jusqu'à 2 cm, les gestes d'hémotase et la dilatation, et dans les gestes d'endoscopie de niveau 1, sont considérés une formation à la vidéocapsule du greffe. Et donc là, on voit bien la différence entre les techniques de niveau 1 et niveau 2. La formation en endoscopie digestive, tout le monde doit se former et se reformer et être autonome en endoscopie de niveau 1 avec tous les gestes dont on vient de parler. Par contre, selon sa pratique clinique et son recrutement, on peut avoir besoin de formations post-universitaires plus ciblées, que ce soit sur les traitements de tumeurs superficielles, sur les prises en charge des maladies bio-pancréatiques, les traitements des complications post-chirurgicales, soit des fistules, les complications de la chirurgie bariatrique ou l'endoscopie bariatrique dans le futur. Donc c'est là où on différencie bien deux choses et on va beaucoup insister sur ce niveau 1 qu'on considère souvent comme acquis mais qui évolue avec le temps, avec les pratiques et avec les technologies. Donc, le niveau 1 se forme pendant l'universitaire, puis ensuite en formation continue pour évoluer, comme l'a dit Gabriel, avec les progrès notamment technologiques et les progrès scientifiques. Souvent, pour le niveau 2 ou 3, la formation, elle commence en post-universitaire, puis elle se poursuit dans la formation continue.
Je vais prendre deux exemples pour l'importance de cette formation continue, dans lesquelles techniques se former, qui pour moi sont primordiales parce qu'elles sont la pratique quotidienne de tout gastro-entérologue installé dans un hôpital ou dans une clinique, qui est l'endoscopie thérapeutique, les gestes d'hémotage, que tout le monde généralement fait de l'hémostase endoscopique pour des hémorragies digestives, et la coloscopie, puisque dans les critères qualité de la coloscopie, il est écrit, dans les critères qualité de la SFED, que tout gastro-entérologue qui participe au dépistage doit être capable de réaliser des gestes de polypectomie, de mucosectomie jusqu'à 2 cm, des gestes d'hémostase. La base, quand on se reforme, c'est déjà d'accepter dans les techniques formées, accepter de reprendre la base. Alors, ça peut-être faire rire certains. J'ai pris une analogie avec le golf, avec d'autres sports. On aurait pu voir d'autres sports, on va dire, ce que les anglo-saxons appellent avec du skill, avec de la maîtrise individuelle, notamment beaucoup les sports de raquettes ou de manches. Vous pouvez prendre, vous êtes un grand joueur de golf, vous allez prendre un cours de golf pour progresser. Le prof de golf, il revient toujours sur la base. La base, c'est quoi? C'est le grip, comment on tient son manche. La posture, comment on se positionne avec son club, et l'alignement, comment on s'aligne face à la cible. On a la même chose en endoscopie. Ce que je vous ai mis là, vous avez mis le grip, c'est quoi? C'est la façon dont on tient l'endoscope. Quand on discute avec les, excusez-moi pour le fond sonore, avec beaucoup de gastro-entérologues, personne n'aura appris à comment on tient l'endoscope dans la main gauche, comment on positionne ses mains. Le but étant de pouvoir utiliser les deux béquillages uniquement avec la main gauche. La posture, c'est l'installation du matériel, là encore. Généralement, on apprend à être installé comme on est installé. Là, je vous ai mis une petite publication qui a fait beaucoup de buzz, une vidéo sur gastro-intestinal endoscopie qui a fait beaucoup de buzz, une vidéo japonaise sur comment on fait des coloscopies, où ils reprennent les bases avec cette première photo de comment l'endoscope va répondre le mieux pour faire une coloscopie. Ben, c'est la colonne à gauche du malade avec un écran de rappel à droite où le bras de l'écran compose de l'autre côté. Et l'alignement, c'est qu'on sait tous que l'endoscopie, ça marche quand on a l'endoscope le plus droit possible, donc quand on est débouclé. Donc déjà, pour tous les gestes, dans le tube digestif bas en particulier, il y a la technique de la coloscopie. Et donc là, on a cette vidéo qui a fait beaucoup de buzz que je vous invite à voir sur le site de gastro-intestinal endoscopie où ils reprennent comment on tient l'endoscope à la main gauche, à la main droite, comment on va progresser dans l'espace avec son endoscope pour éviter les boucles, diminuer les boucles et toujours avoir l'endoscope droit. Donc c'est hyper important dans la formation, c'est que il ne faut pas être surpris que même en faisant de la formation post-universitaire, on va reprendre la base parce que la base, elle va tout conditionner. Pour les gestes d'hémostase, il est une évidence que c'est une des techniques sur lesquelles il faut se former et se reformer, puisqu'on a une explosion des outils industriels qui sont à notre disposition, qui n'étaient pas à notre disposition. Dans les années 90 à 2000, on avait juste les clips, un peu d'adrénaline, les ligateurs et apparaissait le plasma argon. Puis est arrivé au milieu des années 2000 la pince coagulante, puis ensuite les macroclips Ovesco et les poudres, maintenant les gels, et commence à avoir des publications sur les systèmes de suture utilisés pour l'endoscopie bariatrique. Évidemment, si on ne se forme pas que la théorie de la pratique à ces nouveaux outils, on a peur, on ne les utilise pas et on se revient à faire de l'endoscopie qui ne correspond plus à l'endoscopie up-to-date. Je passe très rapidement en quelques vidéos. Voilà ce qu'on peut faire quand on se forme. On apprend que les lésions comme les dieux la foi dans l'œsophage, ce qui marche le mieux, tout simplement, c'est une ligature œsophagienne. Donc ça, tout le monde sait faire. Encore faut-il connaître les indications alternatives. Une deuxième vidéo sur les petites astuces. On a un ulcère de la face postérieure du bulbe très mal placé d'une collègue PH. Et j'étais là derrière elle et elle galérait. Je lui dis juste, mets-toi juste un capuchon transparent. Donc j'avance la vidéo. Vous voyez, elle n'arrivait pas à se positionner pour l'ulcère. Et elle a mis en place un capuchon transparent. Vous allez voir la suite de la fibroscopie. Et juste avec cette mise en place d'un capuchon transparent, elle se permet. Ça coûte 10 euros, une astuce extrêmement simple, de se positionner, d'avoir une parfaite viabilisation de l'ulcère avec le vaisseau et de réaliser la coagulation de son vaisseau visible. Astuce simple, mais encore faut-il l'apprendre. On a la même chose dans la mucosectomie, polypectomie. On a une grande évolution de la mucosectomie et de la polypectomie. Puisque dans les années 90-2000, tout était diagnostiqué, la décision était uniquement selon la taille. On était dans le tout polypectomie pour les petits polypes avec les pinces chaudes. Puis on est passé dans la tout mucosectomie avec les macropinces à biopsie froide pour les petits polypes. Puis on a progressé en faisant des décisions plus selon la taille mais selon la caractérisation, en justifiant la mucosectomie pour toutes les lésions de plus d'un centimètre et l'anse froide qui est apparue pour les lésions de moins d'un centimètre. Et puis ces techniques de mucosectomie, elles ont encore progressé puisque maintenant on a fait de la mucosectomie sans injecter dans une énorme majorité de nos procédures qui est la mucosectomie sous-marine. On fait de l'ancrage de l'anse pour faciliter la résection des lésions planes ou des lésions fibreuses et il apparaît même des publications de piecemeal à l'anse froide. Donc tout ça c'est pareil. Si on n'a pas des formations à la fois théoriques et pratiques, on aura du mal à optimiser ces résections, alors que dans les critères de qualité de la coloscopie, en France et dans d'autres pays, il est noté que les gastro-entérologues qui pratiquent le dépistage
doivent savoir réséquer les lésions jusqu'à 2 cm. Ça permet d'apprendre toutes les petites astuces comme l'utilisation d'un capuchon, de la gravité, le positionnement et la rétrovision. Qu'est-ce que ça donne, les petites astuces? Un petit polype infracentrimétrique adénomateux à côté de l'orifice appendiculaire qu'on va réséquer à lance froide, classique, indication classique. Voilà, petite astuce, ça nous arrive tous régulièrement, mais je serre mon lance froide et l'infirmière, elle me dit, ça coupe pas. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir attrapé trop gros et donc on galère. Et bien, une astuce toute simple, et bien, il faut guillotiner dans le canal opérateur en tirant d'un coup sec dans le canal opérateur sans avoir peur. Les perforations à lance froide, ça n'existe. Il y a 3 cas dans la littérature. Deuxième vidéo, c'est pareil. Vous voyez l'utilisation d'un capuchon pour faciliter une résection. On a une LST granulaire qui fait 25 mm, qui est en face. On l'injecte au centre parce qu'elle n'a aucun critère péjoratif sur la caractérisation qui avait été réalisée avec le système BLI de Fuji. Et on va aller. Excusez-moi, je vais vous remettre. Ça veut bien, je suis avancé trop. Voilà, on ancre la pointe de lance, un petit courant d'endocoupe pour stabiliser et pouvoir avoir en monoblock cette lésion qui, après injection, dépasse les 20-25 mm et éviter des contrôles coloscopiques sur une lésion bénigne qu'on aurait réséquée en plusieurs morceaux. C'est pas une technique difficile, mais il faut avoir quelqu'un qui vous l'apprend pour travailler, déboucler doucement avec une infirmière formée. C'est une anse finalement qui faisait 15 mm, qu'on déforme à 25 mm, et vous voyez qu'on arrive avec une anse de 15 mm à attraper ça en un seul morceau avec un socle propre. Et puis voilà, la dernière technique, pareil, il faut apprendre, il faut se former. La mucotectomie sous-marine, on a une lésion sessile du cécum, on est à bout de tube, on est très très mal placé, on va avoir du mal à travailler, on a envie d'aller vite, on ne l'injecte pas, on la fait flotter, et ça permet d'éviter l'agrandissement théorique de la lésion par l'injection sous muqueuse qui vous fait augmenter la base, et le poids de l'eau écarte le muscle, et généralement, vous coupez dans la sous-muqueuse. Personnellement, je n'ai pas eu de perforation encore en mucosectomie sous-marine. Il y a très peu de perforations décrites. Et vous avez votre résection en un seul morceau simple avec un gros gain de temps. Tout ça, c'est l'évolution des procédures. Donc, sans formation, on a du mal à le faire. Où se former en post-universitaire pour toutes ces techniques de niveau 1 qui devraient être maîtrisées? Il y a plein de choses. D'autres vont en parler plus longtemps dans leur topo. Vous avez plein de systèmes. Vous avez des plateformes de formation dont on va parler avec les mises en place de formation par la SFED. Vous avez les congrès pour le côté théorique, les webinars comme celui-ci avec des webinars théoriques un peu plus pratiques et plus de vidéos. Les vidéos en ligne, c'est une source intarissable. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos en ligne. Vous pouvez trouver sur YouTube. Emmanuel, je crois, va en parler. Il y a le Tokyo Live Endoscopie. Je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est de trouver des banques de vidéos où vous avez filmé comme à Vidéo Digest l'extérieur et l'image endoscopique, parce que le problème des vidéos purement endoscopiques, c'est qu'on ne voit pas comment l'opérateur s'est positionné. Le compagnonnage, c'est aussi une formation. Il ne faut pas hésiter à aller vers son centre référent à côté pour aller faire des procédures avec les experts. Les congrès, on l'a dit. Et puis, évidemment, je ne peux pas ne pas en parler à Limoges, l'université d'endoscopie, parce que c'est évidemment une formation de référence. Monsieur Sotreau a toujours été très humble, mais il faut savoir que c'est le plus gros hands-on training, ce qu'on appelle les hands-on, les entraînements sur modèle animal, le plus gros hands-on training d'endoscopie dans le monde, avec 300 personnes sur une semaine depuis 20 ans. Et je crois que c'est devenu incontournable pour se remettre à jour régulièrement sur les nouvelles procédures. Donc, moi, en réfléchissant à ce topo, voilà ce que je me suis dit. Si j'étais gastro-entérologue installé en libéral ou dans un hôpital général, sans expert à disposition, qu'est-ce que je ferais? Je ferais l'université d'endoscopie. Pas une fois par an, je dirais une fois toutes les 3 à 5 ans, parce qu'à peu près c'est le rythme pour lequel le matériel se renouvelle, parce qu'elle amène du pratique et du théorique sur tout le niveau 1. C'est ce que j'ai mis, pardon, tous les 3 à 5 ans. Les plateformes de formation, on va en discuter. Il y a plein de plateformes de formation qui sont disponibles, qui organisent des formations pour l'instant chacun de son côté. La Suède est en train de synchroniser tout ça par les masterclass, notamment pour la tumorectomie que gère Gabriel, avec plein de centres qui vont ouvrir sur des formations de 1 à 3 jours sur une thématique précise. Et là, je gérerai mon rythme en fonction du recrutement sur ce geste-là, des avancées et de mon côté où je me sens à l'aise, pas à l'aise. Et le compagnonnage. Essayez de prendre 1 à 2 journées par an pour aller voir au bloc opératoire chez votre expert, et vous pouvez même avoir signé des conventions, c'est très simple pour maniper, et ce que font certains de nos correspondants, c'est qu'on essaye de mettre leurs malades un peu plus difficiles au bloc opératoire, un jour ils peuvent venir pour les faire avec nous. Ça, c'est une diapo que j'ai piquée à Xavier, qui a été une diapo de Marine, Camus et de Gabriel, qui s'est présentée au GIFOD sur les offres de formation en France. Vous voyez qu'en fait, des structures qui offrent des plateformes avec des modèles, il y en a finalement pas mal en France, ça couvre bien tout le territoire,
Il y a des formations qui existent déjà, qui vont se monter. Et donc, il faut essayer de participer à ces formations pratiques parce qu'on a beaucoup de formations théoriques. On a du mal à trouver le temps pour ces formations pratiques. En conclusion, la formation continue est indispensable en endoscopie à cause des progrès techniques, à cause des nouveautés technologiques, pour l'apprentissage des astuces simples qui peuvent changer votre quotidien. Il faut adapter sa demande en fonction de son activité, de son recrutement. Il faut accepter de reprendre les bases qui sont souvent vraiment l'étape indispensable pour passer l'étape d'après sur des astuces plus compliquées. Il y a une offre qui existe sur le territoire français et il y a un gros problème dont je n'ai pas eu le temps de parler, c'est le coût, qui est le coût à la fois humain, le coût des modèles et le coût du temps que ça prend. Mais je pense que pour faire de la qualité, ce n'est pas de la dépense perdue. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup Jérémy pour cette très belle présentation, très enthousiaste. Et je pense que c'est important à un moment d'essayer des formations, et c'est ce que tu nous as montré là en faisant même des recommandations de rythme de formation en fonction du type de formation. Je voudrais juste rappeler avant que vous pouvez poser des questions sur le chat. Et pour l'instant, je ne pense pas avoir de questions s'afficher, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Je les relayerai aux experts et les experts pourront répondre directement, vous répondre directement par chat. Alors, du coup, j'ai une question à te poser assez pratique. Ta dernière diapositive, c'est vrai qu'elle s'adresse plutôt au gastro-entérologue installé et qui va faire sa formation médicale continue. Tu as parlé de la formation universitaire avec le compagnonnage. Un interne qui termine sa formation, un chef de clinique, qu'est-ce que tu vas lui recommander en fait pour justement essayer d'être toujours à jour dans sa formation d'endoscopie? On sait à quel point ça évolue en fait. Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Pareil, la même chose peut-être? Ben, oui, à peu près la même chose. Alors après, c'est toujours pareil en fonction de son cursus post-universitaire. Après son internat, s'il va faire des clinicas dédiés à l'endoscopie un peu plus pour apprendre les techniques du niveau 2, niveau 3, ou s'il va faire un assistanat clinica plutôt de gastro-entérologie générale ou sur un autre domaine dans lequel il va quand même continuer à pratiquer l'endoscopie. Je pense que c'est à peu près les mêmes démarches. Je pense surtout aussi qu'il ne faut pas négliger le scientifique. Pendant trop longtemps, on a pris l'endoscopie pour c'est du manuel, c'est rien, c'est deux, trois astuces. Il y a de la science en endoscopie, donc il faut avoir une mise au point sur la science, sur pourquoi telle technique fait mieux. Il y a du niveau de preuve et donc il faut allier les deux. Allier les deux et je pense que je resterai sur à peu près les mêmes recommandations sur des formations, des hands-on tous les 3 à 5 ans, des masterclass adaptées à sa pratique avec l'évolution en fonction de son recrutement et essayer de continuer à garder un pied de compagnonnage avec des experts régionaux parce que le fait de voir en direct, il n'y a quand même rien de mieux ou d'aller faire avec un expert. Ça permet de se rassurer pour les premières fois. C'est quelque chose qui est très important et ne serait-ce que de voir, comme tu disais, dans la salle comment on tient l'endoscope, comment on se comporte en fait face aux patients, la table d'examen, etc. Et maintenant, live, c'est très important aussi qu'on montre un petit peu la position du patient. Je pense qu'on, alors, on va se préparer déjà au le deuxième auteur va se préparer et je suis l'ordre, donc c'est le professeur Xavier Drey en fait qui va prendre le professeur. Merci beaucoup Xavier, je te laisse la parole. Merci. Merci pour cette invitation à toi Gabriel, merci bien sûr à la SFED. Le sujet c'est la simulation à l'endoscopie. Quels sont les modèles disponibles et est-ce qu'ils sont efficaces? Alors, en introduction, voilà, j'arrive à passer les diapos. Quelques mots un petit peu généraux sur l'apprentissage en endoscopie. Sur l'apprentissage tout court, une définition, c'est l'acquisition d'un savoir-faire par la maîtrise de pratiques, de compétences, d'attitudes et de valeurs. Alors, ça n'exclut évidemment pas la notion, la dimension cognitive de l'endoscopie, et pas seulement non techniques, qui ne sont pas forcément mises en avant, je trouve, dans les hands-on, dans les lives.
et qui, en revanche, sont sur le devant de la scène quand on est vraiment en compagnonnage, quand on est en stage, quand on est interne ou quand on vient dans un service se former, ce qui se passe avant, pendant et après l'endoscopie, mais en dehors des gestes techniques et qui fait la qualité aussi de l'endoscopie. Et puis, bien sûr, dans la dimension cognitive, il y a tous les principes hein, d'anatomie, de physiologie, de physiopathologie, de thérapeutique également, et qui fait que, évidemment, l'endoscopie digestive, elle est indissociable de l'hépato-gastro-entérologie. Alors, pour acquérir ce savoir qui lui-même donc est basé, pardon, ce savoir-faire qui lui-même est basé sur un savoir théorique et la maîtrise de ces techniques, il y a des moyens qui sont combinés, et ça c'est vrai pour toute forme de pédagogie, qui reposent sur des explications. Alors, imaginez vidéo digeste, mais sans l'image, juste les explications orales, ou éventuellement un textbook, ou une procédure d'endoscopie. L'observation d'un geste, et là sans commentaire. La répétition, alors la répétition, c'est typiquement ce qu'on fait dans l'apprentissage des arts, et d'une certaine façon, l'endoscopie et la médecine sont des arts, donc on répète son violon, on répète sa chorégraphie. L'imitation, c'est l'apprentissage de l'enfance. On apprend à parler par osmose. On imite des sons, et puis ça forme des mots, et puis ça a du sens, et puis on continue. Et puis, ce qui est beaucoup plus difficile, évidemment, en médecine, c'est l'apprentissage par essai et erreur. Et c'est pourtant beaucoup ce que font les enfants également, hein, quand il faut faire entrer une forme cubique dans un jouet où il y a un rond, une étoile et un cube, et on essaye de le faire rentrer dans l'étoile, ça ne marche pas, on essaye une deuxième fois, une troisième fois, on fait vraiment la mouche qui tape contre la vitre, et puis au bout d'un moment, on comprend que c'est la forme carrée qui va faire rentrer le cube. Et ça, évidemment, en pratique clinique, c'est très difficilement applicable. Et finalement, de tous ces moyens qui, évidemment, sont combinés en pédagogie, celui qui les regroupe tous, c'est la simulation. Alors, on peut se poser très théoriquement la question de est-ce que la simulation, c'est finalement la panacée de la formation en endoscopie à côté des textbooks, du e-learning, de l'observation clinique, des enregistrements, du live et de la pratique. Et le grand avantage, c'est bien sûr les essais et erreurs qu'on peut simuler à volonté. Alors, on va voir un petit peu les outils de la simulation. On distingue d'abord la simulation organique, biologique, de la simulation non organique. Alors, dans la simulation organique, il y a la simulation humaine. Alors, elle est quand même assez rare en endoscopie, mais en psychiatrie, par exemple, ça se fait. Hein. On fait venir un acteur qui joue le patient dépressif ou délirant. La simulation sur cadavre se fait plutôt pour le développement d'outils de recherche, hein, et assez peu quand même pour l'enseignement. Et puis, il y a bien sûr l'enseignement sur animal. Enseignement sur animal qui peut se faire in vivo, l'animal entier est vivant, et qui peut se faire ex vivo avec éventuellement donc des organes explantés de l'animal. Il y a quand même des prérequis éthiques et même légaux, hein, puisque pour animer une session sur animal, c'est assez cher, pas seulement financièrement, mais en termes d'engagement pour les enseignants qui font ça, puisqu'il faut avoir reçu une formation dans une école vétérinaire. Moi, ça m'a pris 15 jours, à temps plein quand même, suivi d'une autorisation de la préfecture de police de sa région pour pouvoir expérimenter ou enseigner sur animal. Donc, c'est un énorme engagement pour les universités que de mettre en place des animaleries, en plus du coût phénoménal que ça représente en termes d'équipement, qui, évidemment, il ne peut pas y avoir de transgression de barrière. On ne va pas utiliser un endoscope qui a été utilisé chez un animal pour l'utiliser chez l'homme et vice-versa. Il y a les principes éthiques également, avec l'idée de réduire le nombre d'animaux en expérimentation ou qui sont utilisés pour la formation, de raffiner la méthodologie utilisée qui implique notamment la notion de point limite. On aboutit à une tâche en enseignement, on s'arrête, on ne fait pas joujou avec l'animal. Et puis, autant que possible, de remplacer l'animal, le modèle animal, quand c'est possible, d'essayer de le remplacer par un modèle non organique. Donc ça, c'est la règle des 3 R qu'on s'efforce d'appliquer en simulation organique. Alors voilà un exemple que vous connaissez bien, hein, qui est le Lizzie Model, donc qui a été développé en Allemagne et assez largement évalué conjointement avec des équipes françaises, notamment, donc ici ex vivo, hein, on voit un transplant gastrique, on a vu aux ateliers à Limoges ou ailleurs des transplants de colons de vache. Donc ces modèles ex vivo, ils ont l'avantage d'un coût moindre, d'une grande transportabilité, et évidemment les limites de ce qu'on peut leur faire faire, mais assez raisonnablement ici avec des cathéters de perfusion de liquide rouge, on peut simuler
des hémorragies digestives et entraîner des apprenants sur des procédures d'urgence qui sont, Jérémy nous l'a montré tout à l'heure, assez difficiles à planifier évidemment et à enseigner en dehors de situations d'urgence. Donc, on voit ici toute l'utilité d'un modèle animal. Plus cher, plus difficile à mettre en place, la simulation organique animale in vivo, les animaux entiers. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec Marine Camus, là aussi pour les procédures urgentes où des animaux, des porcs qui étaient imprégnés d'aspirine, de clopidogrel et d'héparine avaient des mucosectomies à lance froide ou en coupe pure et chez lesquels donc, on déclenchait des hémorragies digestives gastriques, autrement dit on simulait des ulcérations hémorragiques avec, vous le voyez, des évaluations favorables avant, après diverses techniques d'hémostase, injection, clipping, coagulation bipolaire, les progrès qu'on peut quantifier de nos apprenants et un haut degré de satisfaction des apprenants lors de journées dédiées. Vous voyez, le coût humain que ça représente, c'est aussi le fait qu'on va former un ou deux internes par poste dans une animalerie qui coûte cher, avec de l'équipement dédié. Voilà, donc c'est la principale limite, évidemment, de la simulation organique et notamment de la simulation organique in vivo. Et puis, vous avez sans doute vu lors des ateliers, notamment ceux de la SFED ou des universités de Limoges, ou encore tes ateliers, Gabriel, à l'HEGP, la possibilité d'enseigner des procédures complexes comme la dissection sous-muqueuse. Alors là, le niveau de preuve scientifique est faible. J'ai trouvé assez peu d'études pour documenter le bénéfice clinique à former des opérateurs à la dissection sous-muqueuse sur animal. Et pourtant, le SGE recommande de réaliser au moins 20 dissections sous-muqueuses sur animal avant d'aborder une pratique clinique. Et le SGE recommande même de ne pas réaliser d'études pour évaluer cela, parce que ce serait un petit peu comme vouloir faire une étude, un essai contrôlé randomisé du saut d'avion avec ou sans parachute. Pour eux, il faut faire appel au bon sens, et ça me paraît effectivement de bon aloi de s'entraîner sur animal avant d'aborder des techniques aussi complexes que la dissection sous-muqueuse. Donc on voit bien que ces simulations organiques, elles se prêtent bien aux procédures d'urgence, elles se prêtent bien aux situation d'apprentissage de procédures complexes. Le deuxième pan de la simulation, c'est la simulation non organique, avec la simulation électronique qui est assez peu utilisée en endoscopie digestive, sinon en vidéocapsule endoscopie, comme on le fait annuellement pour nos internes en région Île-de-France, en dehors de cette période toute particulière de crise sanitaire. On met des ordinateurs, on branche des vidéos, et nos internes s'entraînent à lire, interpréter et faire des comptes rendus de qualité en vidéocapsule endoscopique. Il y a dans beaucoup de centres universitaires ce qu'on appelle des mannequins haute fidélité qui reproduisent les grandes fonctions physiologiques, respiration, appareils cardio-circulatoires, qui peuvent parler, pleurer, transpirer, se mettre en mydriase, mais qu'on ne peut pas endoscoper. En tout cas, pas aujourd'hui, qui peuvent bien sûr être intubés, massés, réanimés, etc., mais qui ne peuvent pas être endoscopés. La plupart des enseignements en simulation non organique en endoscopie se font avec ce qu'on appelle des mannequins de tâches, donc des mannequins dédiés à une procédure. Comme il y a des mannequins pour apprendre à mesurer une tension ou à faire une ponction lombaire, on a des mannequins pour apprendre à faire l'endoscopie qui, en fait, sont interfacés avec des systèmes électronique. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière pour dire qu'il y a aussi évidemment des mannequins de tâches qui, eux, ne sont pas reliés à des interfaces électroniques et qui sont donc des mannequins de simulation donc procéduraux synthétiques qui peuvent être anatomiques et qui peuvent être non anatomiques. Alors, cette boîte, elle est assez célèbre, hein, elle a été développée par Christopher Thompson à Boston, et pour avoir joué avec, c'est assez intéressant. Elle était au début fabriquée dans un garage avec, on va dire, des tâches un petit peu usuelles comme des épreuves d'une espèce de parcours de combattant de l'endoscope où il va falloir aller d'obstacle en obstacle en bouclant, débouclant. Et puis, je crois qu'elle est très utile pour les manipulations fines,
Donc, par exemple, transporter un objet d'un picot à l'autre, puis le ramener, transporter de case en case des tout petits objets. Et puis, on a des simulateurs synthétiques anatomiques avec l'anatomie œsogastro-duodénale, l'anatomie bilio-pancréatique, l'anatomie colique avec divers abacs, on va dire, qui permettent, en fonction ici de la position des élastiques, par exemple, de modifier les conditions de progression dans le côlon avec des boucles de plus en plus complexes ou les conditions d'accès à la papille duodénale et aux voies bilio-pancréatiques. Et puis donc, on l'a dit, il y a des simulateurs électroniques de diverses marques avec la plupart du temps des endoscopes de facture industrielle. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que les apprenants, ils vont apprendre avec des vrais endoscopes alors que finalement, au bout de l'endoscope, même s'il n'y a pas de vision endoscopique, ça va être par exemple un aimant qui va perturber un champ magnétique et qui va restituer finalement le mouvement que l'apprenant donne à l'endoscope et qui va interagir avec donc soit un univers non anatomique, par exemple un jeu vidéo où avec l'endoscope il faut attraper un ballon de basket et le mettre dans un panier, soit avec un univers anatomique, voire pathologique, et donc progresser à travers ces interfaces en étant guidé par un mentor. Alors ici, nos internes, enfin ex-internes, puisque maintenant ceux-là, ils ont tous progressé et ils sont largement seniorisés. Ici, un ancien président de la Société française d'endoscopie digestive. Ici, une ministre. Vous voyez que tout le monde peut jouer, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut faire des erreurs et donc être guidé. Alors bien sûr, l'objectif, c'est que en fait, l'erreur ne tue jamais le patient. L'erreur, elle est toujours rattrapable. Il faut toujours que ce soit encourageant pour l'apprenant et jamais déprimant. Alors voilà ce que ça donne, la preuve par par l'image. C'est une vidéo, je vais avancer un tout petit peu, c'est une vidéo d'un apprenant où on peut, dans une simulation anatomique ici de coloscopie, montrer non seulement des aspects effectivement très techniques, mais éventuellement également des aspects pathologiques, guidés évidemment par tout un processus d'explication, de progrès pas à pas, l'apprenant. Et puis, vous voyez ici un artifice où l'apprenant voit la boucle et voit la manœuvre de débouclage. Et puis, bien sûr, cette aide, au bout d'un moment, on pourra la faire disparaître et il faudra que l'apprenant mentalise ce que c'est que la boucle, ce que c'est que le débouclage, etc. Alors là aussi, un haut degré de satisfaction de nos apprenants, mais quel est le niveau de preuve de cet apprentissage sur simulateur? Et vous voyez que là, c'est un tout petit peu plus décevant parce que on a listé ici les essais contrôlés randomisés avec des critères de jugement clinique, c'est-à-dire que quelle est la portée clinique de cet apprentissage, et on a finalement assez peu de données pour répondre à cette question. En ce qui concerne l'endoscopie digestive haute, il y a 5 essais contrôlés randomisés. Randomisés avec des effectifs faibles, parce que c'est très lourd à mettre en place, essentiellement chez les novices et qui ont de meilleures premières performances dans les groupes qui ont reçu une formation sur simulateur, qu'il s'agisse de simulation organique ou qu'il s'agisse de simulation électronique. Alors, il y a des travaux qui montrent aussi que le stress ressenti par celui qui apprend est moindre quand il a fait de la simulation. Je crois que ce n'est pas négligeable. Et même des essais, des études qui montrent que les patients perçoivent le stress finalement et le niveau de confiance de ceux qui ont appris sur simulateur avant ou pas. Donc voilà, pour les premières manœuvres d'endoscopie digestive haute, il y a un bénéfice clinique probablement modeste, mais en tout cas pour les premières endoscopies. Pour la coloscopie, on retrouve à peu près la même chose, 5 essais contrôlés randomisés avec des effectifs faibles et exclusivement évalués chez les novices et à nouveau de meilleures premières performances dans les groupes qui ont reçu une formation sur simulateur électronique. En CPRE, très peu de données, un essai contrôlé randomisé avec 16 apprenants, tous novices. Ils ont tous de meilleurs taux et de meilleurs temps de canulation dans le groupe qui ont reçu une formation sur le simulateur synthétique qu'on a vu tout à l'heure. Alors, en quasi-conclusion, voilà mon point de vue sur la place de la simulation dans le développement des compétences en endoscopie. Ça, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des compétences en pédagogie. L'idée, c'est de déjà comprendre quand on aborde un problème nouveau, qu'on est incompétent. C'est en fait le premier levier pour devenir compétent, réaliser son incompétence. Au début, on est incompétent, inconscient, on ne sait même pas qu'une procédure existe, on ne connaît même pas son niveau de complexité. Et c'est sans doute là que la simulation non organique, la simulation
encore une fois, sur des modèles en latex, sur des modèles électroniques et surtout pour la formation initiale à des procédures standards comme la gastroscopie et la coloscopie, est sans doute un levier pour passer au niveau qu'on appelle l'incompétence consciente. Alors ouais, on n'est pas encore compétent, mais on est au moins conscient qu'on n'est pas compétent et qu'il y a du travail, et c'est là qu'on va se mettre en charge, entre guillemets, pour apprendre, se motiver, venir tôt au bloc, etc. etc. Et puis la simulation organique, elle est sans doute utile pour passer à l'étage au-dessus de la pyramide, qui est la compétence consciente, en tout cas les premières étapes. La simulation organique in vivo et ex vivo, notamment pour les procédures d'urgence, les procédures complexes, dont la transmission du maître à l'élève est particulièrement difficile, et tout ça, encore une fois, dans le respect des règles éthiques et légales. Il faut qu'on garde tous en mémoire que le coût humain et financier est élevé, à la fois pour les apprenants et pour les formateurs. On a vu cette carte tout à l'heure pour dire que globalement, en tout cas pour la simulation, encore une fois, essentiellement dédiée aux internes, il y a une belle offre de formation, je crois, en métropole. J'espère qu'on pourra aider, j'espère que ce n'est même plus nécessaire d'aider nos collègues d'Antiguyane à s'équiper. Voilà, je vous remercie et puis je serai bien sûr heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Xavier. Très exhaustif, très intéressant. Panorama de tout ce qu'on peut avoir comme outil, en fait. Hein, je rappelle encore une fois que vous pouvez poser des questions sur le chat. Hein, là, je regarde, je n'en vois pas, mais vraiment, n'hésitez pas, parce que je suis sûr que Xavier sera très, très content de répondre. Manuel aussi tout à l'heure. Alors Xavier, donc quand on est incompétent et qu'on prend conscience de cette incompétence, on a un stress en fait qui arrive. C'est logique, hein, puisqu'on se dit, ops, je suis incompétent et je prends conscience de cette incompétence. Que dois-je faire? Et donc c'est là où la première question que je te poserai, mais tu y as en partie répondu, c'est est-ce que en France actuellement tout le territoire français est couvert et de façon homogène pour justement proposer ces formations. Et je détaillerai la question en deux parties. La première partie, c'est la formation initiale pour les internes. Et pour moi, le simulateur électronique est quelque chose d'intéressant, peut-être pour la formation initiale, mais tu me diras qu'il y a peut-être des outils maintenant, des options, comme dans les voitures, qui sont de plus en plus performants, ces outils. Et deuxième partie, évidemment, si ce n'est pas une formation initiale, on en a un peu parlé avec Jérémy, mais si c'est une formation médicale continue, et on peut se baser sur cette belle carte. Oui, bah, cette belle carte, c'est toi qui l'as faite avec Marie. Donc, alors, c'était l'année dernière, je pense qu'elle reste à peu près actualisée. Alors, vous voyez que en ce qui concerne la simulation électronique, c'est vrai dans beaucoup de régions, peut-être pas toutes. Il faut savoir qu'il y a des simulateurs électroniques d'endoscopie qui sont transportables, donc c'est peut-être une solution. Donc, très clairement, en fait, il y a un problème d'équipement. Voilà, un simulateur endoscopique, un simulateur électronique d'endoscopie, c'est entre, je dirais, 100 et 150 000 euros quand même, hein. Donc, c'est un coût majeur avec bah, finalement en plus le coût de mobiliser un enseignant pour assez peu d'élèves. Donc, ça, c'est un problème. Et d'un autre côté, on comprend bien qu'ils ne vont pas être utilisés toute l'année, ces simulateurs. Donc, ça me paraît assez raisonnable que demain, on puisse s'équiper de simulateurs mobiles pour les procédures de base. Ça fait très bien l'affaire. Et qu'on puisse éventuellement faire un effort de les transporter d'une région à l'autre. Alors après, évidemment, il peut y avoir des petites guerres de clochers d'une université à l'autre, mais j'imagine que ça puisse s'arranger. Mais je crois quand même qu'on dépasse assez vite le stade de la simulation électronique, c'est-à-dire qu'on a assez vite épuisé le recours aux scénarios qui sont proposés et au niveau de compétences qu'on peut attendre de ces outils-là. Donc, je pense qu'il faut quand même assez vite relayer par de la pratique clinique. Nous, notre principe hein, en région parisienne, c'est que dans les trois premiers mois d'internat de nos DES, eh bien, ils sont tous passés deux fois quatre heures sur un simulateur, puis en auto-entraînement sur le simulateur parce qu'on leur apprend aussi à utiliser tout seul le simulateur. Mais très vite, dès qu'ils touchent, évidemment, et avec le principe de jamais la première fois sur le patient, principe,
Je ne suis pas sûr qu'il soit toujours respecté, mais l'idée, c'est d'avoir toujours fait la procédure sur mannequin électronique ou éventuellement synthétique avant de faire ses premières endoscopies. Voilà, alors je ne suis pas sûr que ce soit applicable à tous, et on a pour beaucoup appris l'endoscopie sans ça, donc c'est encore possible. L'idée quand même, c'est que plus on rentre tôt dans une courbe d'apprentissage, plus on va en sortir haut. Et la simulation, elle a aussi cet avantage de tout de suite, la première semaine ou la deuxième semaine de sa formation initiale, de pouvoir apprendre à tenir un endoscope, à se tenir avec un endoscope. Et donc ça, je crois que c'est très important. Et merci Xavier, merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord. En fait, tu as parlé du coût, en fait, c'est aussi quelque chose dont je voulais parler parce que finalement, il y a le coût de ces simulateurs électroniques, mais il y a aussi le coût des ateliers de simulation en général avec des pièces anatomiques, des pièces organiques, des estomacs de porc, des colons de vache ou des animaux vivants, des cochons vivants, comme tu disais, de dissection. Il y a encore une place. C'est peut-être un peu provocateur. Il y a encore une place pour la simulation sur animal vivant anesthésié? Et si oui, quelle technique d'après toi? Alors, je pense que même si on a fait ce travail-là, je pense que pour l'hémostase, c'est sans doute trop cher, trop lourd. En revanche, pour la dissection, je pense que ça reste vrai. Le tissu vivant, le tissu qui va saigner, le tissu qui va bouger. C'est quand même, ça reste aujourd'hui. Évidemment, ça dépend aussi des techniques qui vont, comment dire, la simulation, elle évolue aussi avec les techniques en développement. Mais pour ce qui est de la dissection, ça me paraît très important qu'on maintienne ce type d'atelier un peu partout en France. Ouais. Si je peux juste rajouter un petit quelque chose là-dessus, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Xavier. Je pense que s'il y a un modèle où c'est intéressant, c'est la dissection, puisque comme vous, on a aussi un petit peu l'expérience de ça. Nous, on avait publié dans UEG Journal il y a un ou deux ans l'expérience d'apprenants qui venaient trois fois passer une journée à Nantes au laboratoire des grands animaux. Et donc, ils faisaient une première journée, puis ils revenaient un mois plus tard pour une deuxième journée, ils revenaient encore un mois plus tard pour la troisième journée. Ce qui se passait, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que la première journée, aucune perforation, ils mettaient beaucoup de temps. Certes, ils passaient la journée à faire deux ou trois pièces pas très impressionnantes en taille, mais aucun problème. Deuxième session, je prends confiance, je me lance et là, je vais beaucoup plus vite, mais je perfore et je fais saigner le cochon. Et je pense que sur un modèle organique, il y a beaucoup plus de stress que sur un modèle électronique ou déconnecté du vivant. Et du coup, la troisième session, c'était intéressant, c'est qu'il y avait la combinaison à la fois de la vitesse et de la prudence. Et je ne dis pas du tout qu'on a il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus, mais je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir combiner les modèles. Et puis, on voit aux universités de Limoges, c'est indispensable, bien sûr, d'apprendre aussi sur des explants, de se parfaire un petit peu la main, de prendre les habitudes un peu automatiques, de la connaissance du couteau, par exemple. Mais ensuite, c'est vrai que passer sur un modèle organique vivant, quand on peut, et je crois que ça va être des choses qui sont quand même intéressantes. Je crois que plusieurs modèles sont possibles. Mais peut-être Jérémy, toi qui es… Peut-être ce que tu disais sur l'aspect combiné des choses, c'est-à-dire peut-être commencer à trier sur des modèles animal vivant anesthésié, et puis ensuite parfaire sa courbe d'apprentissage sur le modèle vivant anesthésié. Jérémy, est-ce que tu veux nous donner ton... Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été bien dites. Ouais, moi je suis fan des modèles mécaniques que vous aviez montré. Ça a coupé. Je suis fan des modèles mécaniques que vous aviez montré. Nous, on n'a pas de... On n'a pas de Symbionix. Moi, j'ai toujours été très déçu de Symbionix. J'ai l'impression qu'au bout de deux heures, on a fini ce qu'on pouvait apprendre. Les modèles mécaniques, j'adore ça. La skillbox, pour moi, c'est vraiment un outil de progression parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'on tient un endoscope et quand on sait le manipuler dans l'espace, c'est ça le but de la skillbox, c'est de le faire manipuler dans l'espace avec différents types de mouvements. Il faut des mouvements latéraux, il faut des mouvements de profondeur, il faut des mouvements fins. On saura faire les gestes. Et le modèle de coloscopie, le Kyoto modèle, le modèle des Japonais, il y a eu beaucoup d'études dessus. Et pour les boucles, le modèle à droite, là, donc on a aussi la chance d'avoir au labo, qui est assez fabuleux pour les boucles. On les voit en plus, il y a le contexte de la visualisation, de comprendre ce qui se passe quand on pousse, quand on retire, etc. Donc ça, c'est pour les gestes de niveau 1. Et après, je suis d'accord avec vous,
La dissection, c'est l'exemple type pour les, pour les cochons, avec la limite quand même que ça ne saigne pas beaucoup. Donc maintenant, on les fait épariner, nous, souvent, pour essayer d'augmenter le taux de saignement, parce qu'on se rend compte qu'après, les gens, ils ont l'impression que ça marche assez facile, la dissection. Et en fait, les apprenants, derrière, ils sont très gênés par les saignements sur l'incision, etc. Et évidemment, les modèles ex vivo, mais dès qu'il y a du courant, notamment, dès qu'il y a besoin de courant, on a besoin de choses qui conduisent. Et les modèles ex vivo, c'est vraiment l'exemple que je disais par rapport aux universités. C'est, vous avez un nouveau clip, vous avez une nouvelle pince coagulante, vous avez un nouveau matériel qui sort, mais d'aller le tester deux fois. Bah, vous mettez tous des clips OSCO, vous savez que mettre un clip OSCO, en fait, c'est pas dur. Pourquoi il y a si peu de gens qui en mettent et qui en ont dans leur bloc? Parce qu'ils l'ont pas fait avant. Je trouve que le clip OSCO, c'est l'exemple type. Le clip OSCO, c'est l'exemple type. Si vous en avez mis deux sur un modèle, derrière, vous aurez pas peur. Et ça révolutionne, et que là, on a encore des gens qui n'osent pas en mettre, qui n'ont pas dans leur blog, j'en ai jamais mis, ça me fait peur, alors que c'est comme une ligature. Donc, c'est vraiment dédramatiser pour oser faire des premières procédures et connaître le matériel, quoi. Alors, c'est vrai que cette démystification, c'est un des objectifs aussi de la formation. On va préparer la présentation du professeur Emmanuel Coron, on va lui passer la main pour qu'il puisse mettre sa présentation. Et effectivement, c'est tout à fait ce que tu dis, en fait. C'est quelque part, la formation, c'est ça, c'est-à-dire l'avoir fait une fois avec un sentiment de sécurité, avec quelqu'un qui nous a appris à le faire, et ben, on va pouvoir le faire dans des bonnes conditions après, sans stresser, on va pouvoir reproduire ce qu'on nous a appris. Emmanuel, merci encore une fois d'avoir accepté de parler. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Gabriel. Ben, moi, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. J'apprends plein de choses et je trouve que c'est vraiment très important de parler de formation. Alors, moi, tu m'as confié un sujet qui est celui de la place des DU, DIU et des congrès, des séminaires dans la formation. Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut se former finalement plutôt que de rester tranquillement chez soi? Pourquoi est-ce qu'on se déplace ou qu'on suit toutes ces choses sur Zoom? Alors, la première chose, c'est de devenir compétent, de se sentir à l'aise, de se sentir confiant face à son malade. Et devenir compétent, ben, en fait, ce n'est pas juste de le décider et puis ça devient automatique. Il y a plusieurs, en fait, niveaux d'apprentissage pour obtenir un seuil de performance. Alors, théoriquement, on accède, si vraiment on y met les moyens, au top de la performance avec le temps. Et puis, on décline souvent quand même un petit peu avec le temps, mais l'idée, c'est de rester compétent le plus longtemps possible sur une technique. Et puis, si on est incompétent, ben, c'est de le reconnaître. Ça n'a rien de déshonorant, c'est juste que ça met face à un choix qui est celui de développer l'expertise locale, donc se former, ou alors de savoir référer. Et Jérémy en a parlé, c'est vraiment très important de faire ce choix-là. Pour quelle technique j'ai besoin de me former et pour quelle technique je n'ai pas besoin de me former et je peux référer. La deuxième chose, c'est que ça permet d'évoluer avec les pratiques et Gabriel l'a dit, il y a des challenges technologiques tous les jours. Il n'y a pas une année sans qu'on ait une petite révolution qui arrive et ça permet donc d'évoluer avec la pratique de l'endoscopie. Et puis, une chose qui est importante, moi je trouve, c'est de garder son enthousiasme, de rester motivé par notre métier et puis de rester joyeux en allant au boulot le matin. Et puis, finalement, ce qu'on a vu, c'est une grande évolution dans les modes de formation. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé l'endoscopie, il y a plus de 20 ans maintenant, c'était vraiment par compagnonnage. On choisissait son maître. Enfin, souvent, on prenait la personne du centre qui était le responsable de l'endoscopie ou la personne avec laquelle on s'entendait le mieux en endoscopie. Et puis, ça devenait un compagnon, souvent c'est le cas. Et puis, de plus en plus, on a vu les congrès mettre vraiment un investissement important dans la formation en endoscopie, bien sûr avec vidéo digeste et une formule qui a su vraiment se renouveler au fil du temps, mais aussi les JFOD, où il y a plein de sessions d'endoscopie, des thématiques, des sympos, etc. L'UEGW, la DDW, et puis bien sûr ce nouveau congrès européen mis au point par Thierry Ponchon, ESGE Days, qui est 100% endoscopie. Et donc là, c'est ponctuel dans l'année, mais c'est tout à fait capital, je trouve, d'avoir accès à une information nouvelle. Et puis il y a des congrès qui sont plus ciblés, qui sont moins connus, comme par exemple le congrès qui est dédié aux complications
en endoscopie digestive qui se tient tous les 2 ans à Hambourg. Donc là, il n'y en a pas cette année, ça sera l'année prochaine, ce sera la 7e édition. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir regarder en face parce que des complications, on en a. Alors, je n'ai pas honte ni peur de partager celle-ci si mon film veut bien tourner. Pardon, j'essaye de le lancer, c'est un petit peu lourd. C'est un cas. Alors, je pense que le film devant être très lourd, il a dû. Oui, il a Est-ce que été tu nous coupé. entends? Alors, Ah, voilà, ça y est. oui, je vous entends. Voilà, on va le couper. Alors, j'avais fait une version qui est montée, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas été tellement prise en compte. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette patiente, on l'a perforée en direct. Hein. Ça faisait peut-être 10 ans que je n'avais pas perforé. Et on voit ici la perforation. Voilà, donc je vais un petit peu plus vite pour montrer que l'important, c'est bien sûr de reconnaître la perforation et de savoir mettre les clips en prenant vraiment la musculeuse de part et d'autre et de fermer finalement de séreuse à séreuse. Ici, c'était compliqué de mettre un clip Ovesco dans un côlon gauche multidiverticulaire un peu fixé. Et puis surtout, on avait une fermeture qui était quand même tout à fait satisfaisante avec les clips habituels. Et donc finalement, cette patiente, elle a été mise sous antibiotiques et elle est sortie le lendemain du geste. Je l'ai revue, elle va bien. Et donc voilà, donc ça, les lives conservent à mon avis un rôle qui est indispensable, c'est celui quand même de faire face à une situation qui n'est pas programmée par avance et de montrer qu'on doit garder son calme et qu'on peut régler ses problèmes. Internet, ça a été une véritable révolution parce que ça a permis une démultiplication des modes de formation avec maintenant d'innombrables supports de vidéos en ligne. Alors, c'est un peu comme quand un patient va chercher une information médicale, il faut savoir quels sont les sites d'intérêt et quels sont les experts qui ont vraiment une qualité pédagogique pour montrer ça. Et puis, il y a aussi de plus en plus de quiz, de cas vidéo et un changement finalement de ligne éditoriale, y compris des grands journaux de gut, de gastroentérologie, bien sûr d'endoscopie, qui sont maintenant très riches en formation en endoscopie. Et je crois que ce qui est important, c'est de conserver quand même un cadre universitaire, parce que ce cadre universitaire, il donne une formation non pas ponctuelle, mais vraiment dans la durée, sur 1 an ou sur 2 ans. Il est diplômant, donc on ressort avec une formation qui est visible, qui est répertorié, qu'on peut opposer si c'est nécessaire, qu'on peut mettre sur sa plaque si on s'installe en libéral, qu'on peut mettre sur son CV, etc. Et donc, l'exemple du DU que je connais le mieux, parce qu'on l'a monté, alors je ne sais vraiment pas tout seul, hein, j'ai eu tout un groupe, dont ceux qui sont autour de la table ce soir en webinaire, c'est l'occasion de vous remercier tous les trois, mais aussi plein de monde qui m'a mis le pied à l'étrier là-dessus. Initialement, j'en parle parce qu'initialement, c'était un DU qui était très riche en endomicroscopie à l'époque où l'endoscopie et nos endoscopes n'étaient pas aussi performants que maintenant et où il y avait un véritable gap technologique avec l'endomicroscopie. Et puis, quand on a vu apparaître les nouveaux endoscopes vers 2015-2016 avec des zooms, des chromos beaucoup plus puissantes, on a refondé la maquette pour que ce soit vraiment un DU de caractérisation optique avec une mise au point sur l'interactivité, les cas cliniques, et on parle beaucoup plus maintenant. Xavier fait un cours formidable sur l'intelligence artificielle et ce que ça apporte, Maximilien Barré sur les pièges diagnostiques, Mathieu Pioche sur les polypes coliques, Gabriel sur l'exploration de l'estomac, Jérémy sur le bilan préthérapeutique avant mucosectomie et dissection. Bref, c'est vraiment un cours qui a su, je trouve, se renouveler puisque initialement en 2013 on montrait ça, voici un barrette, finalement on a du mal à vraiment interpréter le pattern, on va faire un coup d'endomicroscopie confocale, tiens il y a un épaississement de l'épithélium, c'est du haut grade, on va faire une mucosectomie ciblée sur le confocal. Et puis actuellement c'est il y a un barrette, on met un coup de zoom et l'épaississement de l'épithélium sur les zones de dysplasie du haut grade, on les voit dans la partie haute du barrette.
Et puis, dans la partie basse, on voit un cancer avec la désorganisation architecturale et vasculaire. On met avec le même endoscope un coup de dézoom pour mettre les points de marquage et on fait la dissection. Et puis, l'avenir, qui est un avenir très proche, puisque c'est pour la fin de l'année ou l'année prochaine, un système d'intelligence artificielle qui vous dit, voilà, le cancer, il est là, les marques, elles sont là pour vous aider à faire la mucosectomie ou la dissection guidée. Alors, il y a tout ça, toutes ces évolutions a poussé Michel Robaskiewicz, quand il était président de la SFED, à refonder un peu les DUDIU et en s'entourant bien sûr des responsables de DUDIU avec Marc Barthé pour le DU d'éco-endoscopie qui est l'un des plus anciens et qui tourne à Marseille depuis 20 ans. Je pense que j'ai pas la date exacte, mais c'est vraiment un des plus anciens. Avec Stanislas Chaussade, bien sûr, qui a pris la présidence, et puis avec Xavier, Thierry Lecomte, Thierry Ponchon, et on a réfléchi, et Frédéric Prat, bien sûr, à refonder finalement, c'est-à-dire que le DU d'endoscopie diagnostique avancée de caractérisation optique fusionne avec la partie endoluminale du DU d'endoscopie interventionnelle pour faire un DU endoluminal en 2 ans. Ciblant les caractérisations optiques et les résections muqueuses, et puis que l'éco-endoscopie fusionne avec la partie CPRE du DU interventionnel pour devenir un DU de bilio-pancréatique en 2 ans, là aussi, avec un nombre un peu plus restreint d'apprenants, mais qui doit faire de l'éco-endoscopie diagnostique et de drainage, de la CPRE, etc. Donc tout ça est en cours et on espère que les circuits administratifs des facs ne seront pas trop lourds pour pouvoir permettre dès la fin de l'année d'être mis en place et qu'on ait ces formations diplômantes. Je termine avec les formations en ligne dont j'ai un tout petit peu parlé. Je mentionne simplement, il y en a plein, mais ce Tokyo Live Endoscopy qui est très riche en vidéos bien faites. Comme l'a souligné Jérémy, on voit souvent les mains des opérateurs et c'est très important de voir ça. Et puis, on peut sélectionner, le site est tellement riche que vous pouvez même dire, tiens, demain, je fais une dissection de l'estomac, de la partie du plancher de l'antre, je vais regarder s'il y a la même dans ce site-là. Et bien souvent, on tombe sur des lésions approchantes et c'est quelque chose de très utile. Bien sûr, mentionner la médiathèque de la SFED qui est très riche en médias de support, de soutien. Et moi, j'ai fait un petit tour pas plus tard qu'hier, j'ai été vraiment épaté de voir le nombre de choses qui sont disponibles et la qualité, et c'est quelque chose qui va s'enrichir de plus en plus. Et puis le patient dans tout ça, c'est un petit clin d'œil parce qu'on a tendance à l'oublier, mais les patients sont vraiment, c'est pas qu'ils sont derrière nous, c'est qu'ils sont à côté de nous et ils nous prennent la main de temps en temps. Et loin de penser qu'ils peuvent nous titiller, nous challenger, nous embêter, il y a vraiment une interaction entre les associations de patients et les sociétés savantes qui est historique. Mais il faut savoir qu'il y a un DU de patients experts qui s'est créé à la Sorbonne, où les patients ont un rôle vraiment à la fois d'être meilleurs dans la compréhension de leur maladie, de la gestion de leurs médicaments, mais aussi dans la communication avec les médecins et avec les médias. Et il faut vraiment l'envisager comme un rôle de partenariat avec le médecin. Je montre ici quelqu'un que j'adore, qui est Pierre-Louis Atwell, qui est un patient qui a une maladie de Crohn et qui est navigateur, qui fait de la course au large. Ici, la photo, c'était sa dernière transat Jacques Vabre et qu'on a invité, ou c'est plutôt lui qui nous a proposé de faire un symposium regard croisé lors des journées de l'IMAD à Nantes le 5 février, juste après le live, où c'est le patient qui challenge les médecins en disant bah, « moi, j'ai un Crohn, la coloscopie, ça m'embête. Quand est-ce que la capsule sera prête pour faire une surveillance par capsule? Les médicaments, on en est où, etc. » Et c'est tout à fait passionnant. Et c'est quelque chose qui va de plus en plus, je crois, se développer dans une ambiance tout à fait constructive et cordiale. Donc, en conclusion, souvent, et je crois que c'est Xavier qui a dit ça, hein, les barrières, c'est de ne pas savoir qu'on est incompétent, ou alors, pour reprendre Claude Bernard, c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Et donc, il faut savoir que la formation, elle est en évolution permanente, qu'elle s'accélère au gré des progrès technologiques, qu'elle nécessite quand même de maintenir un cadre qui est structurant et qui est dynamique. Alors, bien sûr, je parle des DU, DIU, parce que c'était le topo, mais les masterclass de tumorectomie ou la dissection, la formation de dissection qui aura lieu
à Limoges la dernière semaine de juin, ce sont des cadres structurants et dynamiques. Et je crois que ce qui est le plus important peut-être dans tout ça, c'est le rôle des facteurs humains et de rester ouverts et connectés les uns les autres et de trouver son mentor ou ses mentors, puisque maintenant on est dans l'ère du souvent compagnonnage un peu en mode polyamour, mais ça peut être très bien d'avoir plusieurs mentors et de rester voilà, avec des cadres qui soient encore une fois diplômants et structurants. Je vous remercie beaucoup et je suis prêt à prendre vos questions. Merci, merci beaucoup Emmanuel. Alors oui, j'ai envie de dire tant qu'il y a de l'amour, allons-y. Le rôle des patients, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Je ne savais pas qu'il y avait ce DU, c'est quelque chose qui est important de savoir qu'on travaille aussi pour les patients et qu'eux s'intéressent aussi à ça. Et ça m'a fait aussi penser au rôle des assistants et des assistantes, de nos infirmières en endoscopie qui doivent être formées. Quand je fais des formations de dissection au laboratoire, souvent, j'hésite à des infirmières de mon service qui viennent ou alors qui viennent se former et qui me demandent s'ils peuvent venir ou pas avec leur assistant, leur assistante, leur infirmière. Que penses-tu de cette formation de nos infirmières? Je crois que c'est capital en fait. L'infirmière, c'est vraiment le binôme du médecin. En plus, il faut savoir que quand le médecin un peu plus expert sera parti parce que son bloc c'était le mardi et puis le mercredi, c'est un chef de clinique un peu moins aguerri qui est là, bah, c'est l'infirmière qui va avoir aussi un rôle de transmission et de, je crois, de réassurance éventuellement. Bien sûr, le senior n'est jamais très loin. Mais voilà, c'est un travail d'équipe. Et puis, je crois que c'est très important de les impliquer de plus en plus dans la formation. J'ai participé il n'y a pas très longtemps à un autre congrès que j'ai oublié de mentionner, qui s'appelle EndoPort, qui est le congrès de Portsmouth, donc du groupe de Pradeep Bhandari, et qui a un projet, un congrès labellisé par l'ESGE. Il y a eu tout un débat sur la mucosectomie. Est-ce que c'est le médecin qui doit tenir l'anse et la fermer ou est-ce que c'est l'infirmière? Et globalement, il y a eu un consensus pour dire que ben, c'est un peu une conception, j'espère que je ne vais choquer personne autour de cette table, mais une conception un peu à l'ancienne de disant ben, c'est le médecin qui doit tenir l'anse parce que c'est lui qui est responsable du geste, vers quelque chose du ben, « oui, si l'infirmière elle fait que lui passer l'anse pour qu'il la mette dans le canal opérateur, ce n'est pas très motivant ». Et puis, il faut la responsabiliser. Mais la responsabiliser, ça ne veut pas dire se dégager, ça veut dire lui apprendre exactement quel est le timing de fermeture de l'anse, quelles sont les sensations qu'elle doit avoir et qu'est-ce qu'on attend d'elle précisément. Et peut-être que là, il y a un lien justement avec je retombe un peu sur mes pieds, sur les modèles animaux pour dire là, on peut le faire en toute quiétude et en toute tranquillité. Mais je crois que c'est capital que les infirmières soient à bord de ces formations de masterclass ou de formation à la dissection. Et pour rebondir, parce que c'est intéressant, nous, on vient de déménager, de regrouper les équipes d'endoscopie digestive et bronchique. Donc, il va falloir former des infirmières qui n'étaient pas formées au digestif pour celles du bronchique et l'inverse. Comme on fait des formations, on essaye de faire au laboratoire tous les 2 mois des demi-journées pour les internes, on a prévu que les infirmières en formation viennent se former. Donc, ce que tu vous disiez là, tous les modèles sont bons, utiles. Pour l'infirmière, c'est effectivement pareil de tenir l'anse avant sur un truc, de sentir, de ne pas faire la bêtise, de faire la bêtise sur un modèle, etc. Donc, c'est une évidence que c'est exactement la même problématique qui s'applique pour le personnel, notamment aussi dans la même problématique qui est la connaissance du matériel. La connaissance du matériel, rien que ça, c'est pareil. Et je vous rappelle que Fanny Durand, là, qui était la représentante française du GIF maintenant, qui est à la retraite, etc., elle a organisé, il y a un DU d'infirmière en endoscopie. Hein, donc, c'est pareil, il faut profiter de ce DU. Il y a un DU d'infirmière en endoscopie qui est organisé par la faculté de Limoges. Et il faut se battre pour reconnaître cette compétence-là. Et on a exactement c'est le parallèle de la formation du gastro-entérologue. Oui, tout à fait. Xavier, je te laisse peut-être la parole pour parler aussi de ça. On les envoie aussi on essaie tous les ans, une infirmière, 2 ou 3 infirmières vont au congrès. Xavier, je te laisse la parole. Non, juste pour compléter, mais hyper en ligne avec vous, que
Enfin, régulièrement, on demande à nos internes aussi de prendre le rôle de l'infirmière guidée par elle. C'est un peu vie ma vie, mais c'est vie ma vie pour certes valoriser, mais pas seulement valoriser, c'est aussi pour imposer du respect mutuel. Et inversement, former un infirmier en endoscopie sur un simulateur, au moins sur un simulateur, c'est aussi pour elle l'occasion de se rendre compte des difficultés qu'on a et pourquoi ben, est-ce qu'on n'arrive pas à attraper ce polype qui est juste au milieu de l'écran. Ou à manœuvrer de telle ou telle façon l'endoscope. Donc ces échanges-là, ils sont hyper précieux, pas seulement pour des raisons de valorisation, même si c'est très important aussi. Et Je crois qu'il y a je une rappelle. dernière composante, pardon, Vas-y. oui, une dernière composante qui est importante aussi, qui c'est peut-être pas forcément très politiquement correct à l'heure des lois anti-cadeaux, etc., mais c'est de vraiment savoir dans quelle conditions travailler avec l'industrie, et je crois que faut pas se leurrer en fait, hein. Tout ça c'est possible grâce à l'industrie. Vous l'avez dit, ça coûte extrêmement cher. Je crois qu'il faut être vraiment très reconnaissant aux industriels qui mettent la main au porte-monnaie pour offrir aussi toutes ces formations, parce que si ça devait venir uniquement des médecins ou des pôles de formation, alors faut peut-être rappeler pour les plus jeunes qui sont ce soir avec nous qu'il y a souvent de l'argent dans les pôles de formation des hôpitaux pour pouvoir accéder à la formation. Mais je crois que comment dire, l'industriel qui s'investit dans la formation, et ils vont le faire de plus en plus, c'est une démarche qui est quand même extrêmement vertueuse à l'heure où on vient nous rabattre les oreilles des liens d'intérêt, etc. Faut pas oublier que sans ça, je prends par exemple le travail qui avait été fait, pour pas la mentionner, avec Flore Tesirovski sur les atlas, où on a pu faire trois atlas de formation en endoscopie, un guide de thyromorectomie, etc. Je crois que quand les choses sont bien faites, que le contrat est bien clair au départ, c'est quelque chose qui est un outil absolument phénoménal. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier aussi que quand on travaille bien avec eux, c'est quelque chose qui peut rester vertueux et qui est tout à fait important. Très bien. Est-ce que vous avez peut-être d'autres choses à... Alors, je sais qu'il est 20h09, donc on a un peu dépassé de 9 minutes, mais en même temps, c'est intéressant. On n'est pas trop en retard. L'autre réflexion que j'avais, c'est l'évolution finalement des formations sur le tube, axées sur le tube. Alors là, peut-être que je parle d'une formation avancée, et puis du bilan de notre époque, hein, qui est tout en fait. Faisait le biopancréatisme, cathétérisme, l'écho-endo. Est-ce qu'il y a une évolution qui se dessine sur un choix qu'il faudra faire assez tôt justement avec cette modification des DU? Emmanuel, comme tu parlais Pardon, j'ai pas entendu toute ta question, Gabriel. Est-ce que tu peux la répéter? Ça a C'était été les coupé. deux axes qui se dessinent entre cette fois-ci, comme s'il fallait choisir, renoncer ou pas, mais choisir soit pour le tube, soit pour le bilio-pancratique. Et à l'époque, ce n'était pas ça en fait. On était formés en tout. J'ai l'impression que c'est cette tendance qui peut-être va permettre d'être plus performant. Je ne sais pas. Je crois que tout dépend de la structure dans laquelle on travaille, mais effectivement, c'est une tendance qu'on voit un petit peu partout. Si on est sur une très grosse structure où on veut devenir vraiment ultra performant en dissection ou en bilio-pancréatique, voilà, il va falloir faire des choix à un moment donné. Je crois que nous, qui sommes tous quarantenaires ou jeunes cinquantenaires, on a effectivement appris ça et on peut encore quelques années peut-être maintenir ça, parce que c'est vrai que c'est agréable de faire un petit peu tout, mais je crois que les nouvelles générations, elles ont ce choix à faire et que c'est un choix qui est important pour devenir vraiment le plus performant possible. Et c'est logique, c'est cohérent que Michel Robaszkiewicz et Stanislas Chaussade aient fait ce choix pour la Suède de créer des DU, DIU qui soient l'un axé endoluminal et l'autre bilio-pancréatique. Moi, si je peux compléter juste sur ce sujet, parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord, je suis d'accord sur la complexité, la complexification des procédures et sur les procédures les plus complexes dans chacune de ces procédures, qu'elles soient le tube ou le bilio-pancréatique, il faudra des gens surspécialisés. Mais dans dissection sous-muqueuse, il y a la dissection sous-muqueuse d'une lésion de 3 cm du rectum et la trois quarts de circonférence du côlon droit. Dans le cathé,
il y a une angiocolite avec un calcul et il y a la sténose hilaire. Donc, je crois qu'il peut encore y avoir des gastro-oncologues interventionnels qui font plusieurs techniques interventionnelles, mais pas de tous les niveaux. On ne va pas faire tous les cathés. On peut faire du cathé, de la dissection et de l'écho-endo, mais on ne fera pas tous les cathés, toute la dissection, toutes les écho-endo. Et c'est là où il va falloir que les gens se limitent par rapport à leur recrutement et leurs compétences et par contre soient capables de passer la main. C'est ça la difficulté. Et comment dire à quelqu'un, tu fais du cathé, mais tu ne dois pas faire de heal, tu fais de la dissection, mais tu ne dois pas faire des lésions de plus de 8 cm. C'est là où il va falloir qu'on arrive à trouver des marqueurs, parce que c'est ça la difficulté. C'est qu'on le sait tous, hein. C'est pas parce qu'on fait de la dissection qu'on fera tous les mêmes dissections, c'est pas parce qu'on fait du cathé qu'on fera tous les mêmes cathés. Et donc, comme tu le disais, ça va dépendre de la structure et du recrutement et de ce qu'on veut faire dans ce recrutement-là. Mais je pense qu'il y a encore une place pour avec les progrès de chacun, avec les progrès de différentes techniques, les gestes qui étaient les plus difficiles, ils descendent de difficulté pour être remplacés par des gestes de plus en plus difficiles. Et donc, on a des gens qui sont formés, qui sont capables de faire de l'écho-endo, du cathé, de la dissection d'un niveau correct, on va dire 70% des cas, mais il faut des centres de référence pour les 30% d'autres des cas. Et donc, c'est là où il faut donner les éléments de limitation pour ces opérateurs-là, à mon avis. Très bien. Alors, je sais qu'on pourrait encore parler longtemps. Je pense que là, on a un petit peu dépassé le temps, mais en même temps, c'est à mon avis très intéressant. Si vous voulez faire une synthèse, mais qui va discuter sur une diapositive. C'est important, c'est d'abord de dire qu'il faut reconnaître qu'on doit acquérir une compétence en endoscopie diagnostique et thérapeutique, la formation, elle commence avec le compagnonnage à l'hôpital quand on est formé avec une formation universitaire. Évidemment, ce compagnonnage, pour moi, il est très important tout au long de notre carrière. On va continuer avec une formation médicale continue. Alors, ce qui a été dit, et je pense que c'est important, c'est adapter sa formation à sa pratique clinique et son recrutement. On ne peut pas aller se former sur une technique très avancée pour laquelle on n'a pas le recrutement, par exemple, parce que de toute façon, on va se mettre en difficulté, on ne va pas faire cette activité-là. Donc ça, c'est une partie, à mon avis, une réflexion importante avec l'offre de formation qui est disponible maintenant. On a parlé de choisir. On a parlé des outils d'apprentissage, des évolutions avec organique, non organique. On a parlé aussi de l'accès de ces outils sur le territoire français. Je pense que la Société Savante, la SFED, travaille beaucoup pour améliorer cet accès à la formation avec la mise en place des masterclass. Vous en avez entendu parler. Je vous incite à vous inscrire donc à Paris, à Limoges, à Lyon. Vous avez des dates à Nantes très bientôt. Et puis, on a parlé aussi de la formation de dissection sous muqueuse par Jérémy et Mathieu Pioche à Limoges au mois de juin. Je pense que cette formation, elle est importante, elle est organisée par les sociétés savantes et elle est organisée aussi dans les pays francophones. Je voulais juste dire qu'on pense aussi aux pays francophones, que c'est organisé. Il y a des formations, par exemple, à Rabat, Madame Amrani. Moi, je travaille pour essayer de mettre en place des formations au Sénégal, pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne. Et je pense que c'est aussi notre rôle d'étendre ces formations au territoire national et aux pays francophones. Alors, la révolution Internet, on en a parlé. On a maintenant ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire des webinaires, des congrès, des e-congrès, des vidéos. Je pense qu'il faut savoir maîtriser, contrôler cette offre de formation, de e-formation Internet, pour essayer d'en tirer le meilleur. Et puis, Emmanuel en a parlé, c'est le contact humain et c'est garder cet enthousiasme. Je pense qu'il est important dans notre spécialité médico-technique, on n'oublie pas le côté médico et qu'on aille et qu'on a cette chance, en fait, d'avoir
ce côté technique qui nous fait aller à l'hôpital et dans notre plateau technique avec le grand sourire, mais en même temps, on rend service aux patients et on doit connaître sa pathologie. Donc effectivement, la partie théorique est très importante, la prise en charge du patient. On ne fait pas qu'un geste et on s'en va, on fait un geste, mais on prend le patient en charge du début à la fin. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces formations. Je remercie à nouveau Amgen et Fujifilm pour leur soutien. On a parlé du rôle important des industriels. Vous allez pouvoir revoir ce webinaire en replay à partir du 2 du site web de la SFED. Et je vous invite à vous inscrire parce que ça sera accessible. Pas possible pour les membres. Alors, la SFED a donc initié de webinaires et les webinaires seront le 29 avril Stéphane Koch pour les plateaux techniques d'endoscopie, hygiène et sécurité, le 27 mai avec Olivier Grenier qui va parler de la qualité en endoscopie avec un retour sur les ESG Days. Et en juin, Geoffroy van der Blit va nous parler, alors c'est intéressant, endoscopie, on va peut-être parler de l'intelligence artificielle, hein, très probablement d'ailleurs. Et puis en septembre, Anne-Laure Tarerias va nous parler d'un point majeur dans notre spécialité qui est l'aspect juridique, la communication avec le grand public en endoscopie digestive. Donc, je vous recommande, si vous n'êtes pas encore membre, de vous abonner, d'être membre à la SFED. Vous allez pouvoir avoir accès à des revues comme la revue Hépato-Gastro et Oncologie digestive. Vous allez avoir des tarifs préférentiels pour Vidéo Digest et les GIFOD. Accès à la médiathèque, on en a déjà parlé, vous reverrez ce. Et puis, vous allez avoir accès aux masterclass sur la tumorectomie qui sont sur l'année 2021 et qui continueront ensuite, et accès à la formation de la dissection sous-muqueuse. Vous allez pouvoir aussi profiter de la plateforme d'e-learning, plein d'autres et plein d'autres avantages. Voilà. Je vous remercie. Comme d'habitude. Voilà, je remercie tout le monde.